Salut à tous, c'est Aurélien de la chaîne Tech and Games. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2. Aujourd'hui pour une vidéo customisation test de la Ferrari 365 GTB4 Competition. Voilà. Ah non mais en vieille Ferrari, je suis pas non plus à la pointe de la technologie. Hein, Oui, enfin voilà, donc bon, normal que je n'avais plus le nom en tête. Alors bon, customisation, on peut juste changer les jantes. Est-ce qu'on peut changer les jantes en mode style? Putain, on possède quand même pas mal de jantes. Hein. Certains. Alors, qu'est-ce qu'on peut foutre comme jantes? Ça fait pas Ferrari, même s'il y a un putain de logo jaune au milieu. On dirait un cheval retourné. Le cheval s'est trouvé. Non. 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 Il y a quand même pas mal de jantes américaines là-dedans. Tu sens que le jeu se passe aux États-Unis. Ah d'accord, il n'y a pas des jantes de fou furieux non plus. J'aimerais bien quand même changer de jante pour le style. Je sais pas. Allez. On va mettre ça. On va mettre ça. On grossit. Et hop, voilà. On enlève le côté rustique. Mais je... Ah bah voilà, hop, on a fini la customisation là-dessus. Donc on va voir en livret ce qu'il y a. Oui, alors non. Il y a quand même pas beaucoup de gens qui l'ont la voiture. Alors, en même temps, je crois qu'elle a à chier. Donc comme ça, c'est réglé. Ouais. C'est pas. Ah oui, là, c'est limousine, mec. C'est très limousine. En exclusivité sur Gardantag, animaux. Alors ça c'est pas très animal. Ouais. En vrai ça peut faire bien, mais faut la mettre dans une autre couleur. Ah je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que dans officiel il y en a? Non, il n'y en a jamais. Drapeau. Non, on va pas mettre de drapeau. Tribal. Tribal, non. Alors, rayure peut-être. Rayure, rayure. Ouais. 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 Putain, ils sont sympas ceux-là. Ils sont exclusifs, je crois, je les ai jamais vus. Ils sont sympas. J'ai bien envie de mettre ça. Allez, mettons ça, je le trouve plutôt cool. Merde. Non, c'est pas ce que... Comment on enlève le putain de filtre? Cacher filtre, voilà. Je voyais pas le bouton. Hop, donc ça c'est fait peinture. Voyons voir dans officiel ce qu'on peut mettre. Ce livret, je l'ai jamais vu sur d'autres voitures. Il est plutôt stylé en tout cas. Putain, en blanc, tu vois plus rien, mec. Si on partait sur un rouge, peut-être métallisé. Comme ça. Hop. Pire. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Ah, quoique, en anodisé, c'est pas mal non plus. Ah non, mais qu'anodisé, c'est cool. Après, t'as l'irisé, donc comme les poils. Ça n'a rien à voir. En pneu, on commence à en avoir pas mal. Il n'y a pas de P0 là-dessus, mec. C'est des fausses marques. On est dans The Crew 2, mec. Et on va se faire du coup la petite. C'est pas ce que je voulais faire. Qui c'est qui a ouvert le mode photo là? Et ben voilà. C'est pas lui, c'est pas lui. Vous entendez? C'est pas lui. Dépêche-toi surtout, mec. C'est un appareil photo. Tu mets trois plombes à l'ouvrir. Merci. Voilà. Il faut le refermer. Mec, c'est un appareil photo, s'il te plaît, quoi. Je veux bien que. Hein, mais quand même. Faut pas déconner non plus. Hop. Quel est le rapport? Saut au sol. Putain, on peut se TP ici. Yes. Ce sera plus rapide. Maintenant qu'on a un saut au sol ici. Toc. Voilà.
Alors, on va commencer là, l'intérieur. Alors, l'intérieur, c'est sympa, c'est vieux Ferrari, donc c'est sympa. Là, il y a des gaufres sur le sol, on peut voir. Donc, non, c'est sympa, l'intérieur est cool. Alors, faisons vrombir le moteur. C'est pas dégueu tout ça, de base, je voulais mettre la radio quand même. Ouais. Allez, 3, 2, 1, go! Wow, l'accélération de Fifou. En vrai, le 0 à 100 est épique. Après, non, c'est plus épique. On verra améliorer ce que ça donne, mais le 0 à 100 est vraiment Epic Game. Et. À couper! Gérard, tu couperas ça au montage! Ouais, Gérard! Bah non, c'est moi, Gérard. Le mec, il s'est foiré. Ah, Gérard est un peu schizophrène, donc. Tout va bien, tout va bien. Il y a des troubles de la personnalité. Non, tout va bien. Franchement, tout va bien. En vrai, là, un style. Là, le petit truc est stylé. Donc, ça va, ça va, ça va. Allez, mettons la nitro. On arrive à 357 km/h. Et le freinage qui est particulièrement nul. Mais vous voyez que le 0 à 100 est quand même bon. Enfin, plus le 0 à 90. Alors, on va améliorer tout ça. Tac. Bon, on met au pif. Hein. On va juste mettre du violet. Hop. 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 Qu'est-ce qu'il fout? Ouais, super. Ça refroidit pas du tout. Bah, c'est de l'air tiède, mec. Exactement. Ouh là, elle a l'air bizarre pour passer les vitesses. Bon, on va se mettre là. Hop. Aéro 360. Ouais. On va. Putain, le lac est plus long que ce que je pensais. Bon, il est pas très long, mais. Voilà. Hop. Et go par là-haut. Hop. 3, 2, 1, go! Le 0 à 100 qui est toujours bien, peut-être un peu mieux. Voilà, on arrive beaucoup plus vite avant, mais vous voyez quand elle passe les vitesses, c'est bien. Elle monte, elle redescend. Oula. 300, 310, ouais, ça monte bien quand même. Ça monte très très bien même. Allez, beauté là. Bon, ça, après, en termes d'esthétique, c'est pas non plus la meilleure des Ferrari, loin de là. Hein. On arrive à 380. Ça va, l'accélération est pas forcément dégueu. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Hop, 390, nitro. Et on. Eh putain, elle a une vitesse de pente plutôt élevée. 413. Et freinage. Bon, le freinage c'est déjà un peu mieux, mais c'est pas ouf non plus. On va se faire une petite course. Hop. Du coup, toc. Touring car. Circuit de Jersey. Ouh, fait chaud ici. N'hésitez pas à le dire s'il fait chaud dans votre région aussi. Hein. Voilà, comme ça, on sait. Puis si vous ne nous le dites pas, bon, on sait pas du coup. Bah non, moi j'aime savoir ce que font mes abonnés. Hein? Mec, tu crois vraiment que le référencement il est présent pour une simple customisation de Ferrari? Il va y avoir 3 personnes sur la planète qui vont faire une vidéo de cette Ferrari, donc je suis pas sûr que vraiment le référencement soit important. En plus, j'ai les mains prises, attendez, voilà. En plus, à partir du moment où je publie une vidéo, si tu tapes The Crudo dans la barre de recherche, elle arrive tout en haut, carrément, quasiment. Donc, lol. Ah bah sur The Crew 2, ça va, les gens nous connaissent. Souvent, je vais sur des lives The Crew 2, voilà, français, bien sûr, parce que je suis pas, hein, je pense pas qu'en Allemagne ils me connaissent. Et puis ils me font, oh, Tekken Games, tu vois, et tout. Bon, pas du tout, souvent les trois quarts ne me connaissent pas, mais il y en a comme précédemment le Forniteur qui me connaissent. Et ça va avec ta la Dana, la connard! Enfin, connasse, du coup, pardon, excusez-moi pour le trompement de sexe. Dana, tu me casses les couilles, hein. Je veux pas. Hey.
On va me dire que c'est sexiste, mais t'es nul, hein, quand même. Lola, voilà, c'est à cause des lanettes, comme dit Tom. Ah, mais là, Dana m'a foiré ma course, quoi. C'est une. Hein? Coquine, va! Putain, et la Ferrari, là, qui prend les virages à 230 au lieu de 310 avec la Maserati, c'est pas la même chose, hein, moi je vous le dis. Il y a quand même une différence de 70, enfin 80 km/h même, donc. Hop. Mais c'est Dana là qui me perturbe là. Regarde, elle me freine. Bon, en vrai, elle a des rapports beaucoup trop longs. Enfin, elle pue la merde, hein, globalement. On est en extrême, on n'arrive pas à les rattraper. Même si Dana m'a foiré ma course, je tiens à le préciser, j'aurais peut-être pu finir premier. Enfin, peut-être pas premier, hein, vu que mais là, Dana m'a cassé les couilles, hein, quand même. Allez, accélère. Mais d'habitude, c'est pas celle-là des courses que je fais en fait. C'est pas du tout celle-là. Je ne sais pas, essaye. C'est Jersey City Everizon d'habitude que je fais. Et c'est vrai que là, du coup. Ouais, c'était pas ouf. On se fait un peu distancer. Mais je quand même, je maintiens ma position de. Ah oui. Essaye de mettre plein de barres pour qu'elle explose ta bouteille. Ouais, bon, c'est pas ouf, hein. Là, la course. Oula. Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? 9 secondes de retard. C'est magnifique. Hop. Putain, la voiture glisse et tout. C'est ignoble. Ça servait à rien d'offrir cette bouse. Oh oui. Ouais. Bah sinon, en tout cas, c'est bien de l'avoir offert, au moins pour les gens qui veulent. Bah, de toute façon, le but du jeu en soi, c'est pas moi qui le dis, c'est le développeur, non, parce qu'il y en a, il avait critiqué quand je l'avais dit, mais les développeurs l'ont dit, hein, c'est eux qui le disent, le but du jeu est d'avoir tous les véhicules, point. C'est pas forcément moi qui le dis. Du coup, bah, vu que c'est le but du jeu, les développeurs donnent une voiture de merde, au moins comme ça on n'a pas à l'acheter, c'est bien. Ça fait toujours des grosses économies, surtout qu'elle coûte cher cette bouse, je crois. C'est une bouse sans, moi je vous le dis. Tac, c'est pas ouf. Non, franchement, c'est pas ouf. Hop, ça patine, ça. Non, c'est. Il n'y a aucun point fort, il n'y a que des points faibles. Après, comme on dit en maths, moins et moins, ça fait plus, hein, mais. Putain, il a explosé une bouteille. Ça surprend. Ah bah non. Mec, hein? Ok. Bon bah voilà, c'est officiel, c'est une voiture de merde, hein, comme ça on aura testé au moins. Donc si la vidéo t'a plu, bah n'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette customisation. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Tu peux me proposer des customisations test dans. Les commentaires, alors bien sûr que j'ai pas fait de préférence, il y en a encore un paquet que j'ai pas fait en Street Race et en Hypercar, donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et ciao ciao, allez bye!